Du coup, let's go. Du coup, pour le brief, j'ai mis des... je vous ai attribué et splitté en escouade d'assaut et défense. Vos zones de jeu, bon, c'est marqué à gauche. Vous regardez où vous devez jouer. Quelle direction vous devez prendre. Parfois, il y a plusieurs flèches. C'est bien sûr, c'est à vous de vous adapter, de dépendre, enfin, de faire en fonction de la situation. Vous avez, enfin, je fais une stratégie, mais vous avez la liberté de vous adapter en jeu. C'est uniquement pour le start, pour qu'on parte sur des bonnes bases. Sur le start, très important, que les SL qui spawnent, à l'exception de ceux qui doivent faire les nodes. Donc ça, c'est à vous de vous répartir. J'ai mis tout en détail sur le strat sketch. C'est tout le temps la même chose, c'est-à-dire que si vous devez construire les nodes, ça sera toujours à l'ouest la même chose, au middle la même chose, à l'est la même chose, pour simplifier le truc au maximum. Vous posez vos AP, les SL qui prennent, du coup, qui montent avec le conducteur en question, vous posez vos AP au wall et votre squad vous rejoint. Il y aura une spécificité, Pirsch, pour ton escouade, parce qu'il y aura un point où ton escouade ne pourra pas spawn, je te le dirai. Du coup, donc pour ferme de pierre, vraiment très important, le bord map et réseau. Normalement, ferme de pierre, c'est un point un peu gratuit. Il n'y a pas nécessité de. Voilà, de. Enfin, concrètement, le point est très difficile à first cap pour les alliés. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de conserver l'avantage qu'on a, parce qu'on va arriver avant eux sur le point fort, et de ne pas perdre ni le bord map, ni réseau. Donc, si vous voyez qu'on cap et que c'est tranquille, la défense ouest par exemple, vous allez pouvoir supporter l'escouade d'assaut ouest pour pouvoir tenir réseau, le champ, etc. et progresser sur le frontal. Bon, je pense que pour ferme de pierre, rien de spécifique. Honnêtement, ferme de pierre, on a l'avantage. C'est pas vraiment, on n'a pas besoin de s'y attarder dessus. Sur les trucks, donc on a deux trucks qui prennent sur le truck middle, du coup, le Swiftnet qui va aller PF. Et le truck du coup de Berry qui va prendre le bord map et qui va pousser le plus loin possible au niveau du bord map. N'hésite pas, Berry, si tu peux même aller là-bas et que tu vois qu'il n'y a personne. Voilà. Bon, après, t'es ESL donc fais gaffe quand même parce que faut que tu poses ton... enfin, voilà. Faut que tu poses ton AP, je te laisse gérer ça. Niveau de trench, attends, j'ai juste pas dit pour les chars. Pour les chars, il n'y a pas de spécificité pour ferme de pierre normalement. Les MG. Ou alors l'IMG, je vais en parler avec le partage d'écran in-game avec ma cam admin. Le P4, je vous ai mis là, mais honnêtement, faites ce que vous voulez. Juste faites attention avec le duel long road avec le 75. Les P2, je vous envoie sur les flancs, aller chercher les garnis. Donc le bord map, vous venez supporter le bord map. Il y aura deux P2, deux looch. Le looch du coup des triple A, si je ne m'abuse. Non, les triple A, c'est... Ouais, voilà. Ça, c'est le looch du coup des FNCO et le looch de Phonex qui du coup mettront une pression sur tout ce qui a pu être posé en frontal, que ce soit AP ou garnison et infanterie. Ça, c'est pour ferme de pierre. Pour trench, tu switches de slide, c'est bon? Let's go. Pour trench, C'est bon, c'est bon? C'est bon, Pirche? c'est bon. Ouais. Du coup, pareil, pas de pose de garnison, vous vous occupez de rien. Ce qu'il faut, c'est que vous rejoigniez votre zone de jeu, que votre SL puisse poser correctement son AP et que vous mettez le maximum de pression dans les zones de jeu pertinentes. Pour Dugout, j'ai fait le parti pris d'envoyer deux full squads à l'est, parce que les jardins, c'est une zone très importante, surtout si les points sont désalignés. Vous mettez un maximum de pression sur la trench et si vous arrivez à push sur les jardins, tant mieux. Faites attention au reflank par réseau. Et pour tout le reste, bon bah voilà, hein, vous avez des trucks qui passent bord map, rien d'exceptionnel. Là, il n'y a aucune difficulté à faire passer le truck, c'est du tout droit. Faites juste gaffe aux trench qui sont environnantes, mais honnêtement, c'est assez facile. Une spécificité aussi, Snowfinette, enfin, j'en parlerai après pour les MG. J'ai mis des pauses MG, un peu de référence. Ça va être très important, il faut en profiter. On est côté axe, donc la MG 42, ça va être violent. Regardez bien où sont vos zones de jeu. Libre à vos SL de poser leur AP voilà, où ils veulent, où c'est le plus pertinent. N'hésitez pas à reculer.
communiquer, c'est important. Pareil, P2, je l'ai mis bord map. Ça, c'est le P2 de Phonex, normalement. Ça va essayer de libérer un maximum de pression à toute l'infanterie qui essaierait de passer là. Après, bien sûr, vous avez la liberté. Hein, vous savez jouer. Si vous voyez que c'est libre, foncez, etc. Si, par exemple, le 75 est là-bas, enfin voilà, je vous laisse gérer tout ce qui est adaptation in-game. Juste, j'ai mis l'autre louch sur PF, le temps qu'on cap. Après, voilà, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Le P4, je l'ai mis là, mais honnêtement, pareil, si tu as une post-char que tu préfères, que tu as plus l'habitude, etc., tu peux y aller. Et voilà, le truck de Berry qui accompagne à l'est l'escouade de Berry et de Pirch. Il n'y a rien d'autre à dire sur Dugout. On est aussi avantagé par la map et le side. Du coup, rien de spécifique. On peut passer à réseau et c'est là que ça se complique. Vas-y. Voilà, let's go. Sur réseau, du coup, je vais avoir un truck qui va aller sur Pierce Farm pour poser une MG ici et vraiment contrôler toute l'infanterie qui pourrait spawn sur les garnis et même les trucks qui vont pouvoir passer. Snoofinette, je pense que tu vas jouer MG, c'est ça? Bah, si on me le laisse, oui, sinon non. Ouais, bah si. Parce oui, que... si voilà. Tu jouais. Je t'ai mis conducteur du truck volontairement parce que tu sais, tu connais, hein, enfin. Oui, oui. Tu vois ce que je vais faire. Ouais, sur le toit, ouais. Ouais. Du coup, voilà, donc là, il y a un truck qui va aller tout seul avec une seule escouade, donc l'escouade ici de Berry. Pour contrôler l'est, l'escouade de Berry après rejoint la soft cap. Si tu vois que vous êtes contesté sur le niveau de Pierce Farm, n'hésitez pas à aider à ce que l'AMG soit toujours active. Pour pouvoir donc du coup, n'hésitez pas à push au niveau des trenches ici. Là, on a un truck du coup qui va être full. Faut vraiment pas se le faire sortir. C'est Ulvar qui va vous conduire. C'est une route qu'il a bossé, donc tranquille. Hein. Il part depuis Planner. Il va directement sur réseau. Pirch, du coup, tu seras dans ce camion. C'est la seule exception. C'est l'exception dont je parlais de tout à l'heure. C'est que ton escouade pourra pas spawn au wall parce que le truck sera quasiment rempli. Donc, il faudra que tu la fasses spawn en fait sur PF dès que tu arrives, le plus vite possible. Copie. Je compte sur vous. J'ai mis le placement des garnisons. Je l'ai pas dit, mais ça me semble évident. Les garnisons de def sont les petites bleues. Les garnisons de backup et de contrôle de zone, en fonction de si les points sont désalignés, etc. De toute façon, c'est pas vous qui vous en occupez, mais je les mets quand même sur les strat sketch pour que vous fassiez une idée. Le truck à l'ouest. Ici, rien de difficile, aucune difficulté. Tu fais un tout droit au niveau de la colonne DE. Limite colonne DE. Vraiment, sur Network, j'ai aligné volontairement deux P2, deux Looch qui vont vous appuyer un maximum. Le P4 aussi, depuis la colline, pareil, si tu vois que c'est open, que tu as gagné ton duel, ce genre de choses, tu n'hésites pas à avancer. Le point, ça va être le point, je pense, le plus difficile. Donc, enfin, des trois en tout cas. Ça ne va pas être d'une difficulté extraordinaire, mais ça va être le point le plus contesté. Du coup, j'ai mis volontairement un Looch PF dès le start. Vraiment, il ne faut pas qu'il se fasse sortir. C'est ce qui va garantir le fait qu'il y ait une stabilité dans la force de cap pour éviter que, voilà, pour que si vous voulez maintenir un flux d'infanterie et éviter de perdre vos AP, essayez vraiment de défendre au maximum les deux Looch qui sont sur les deux poses là. Et sinon, n'hésitez pas, comme si vous voyez que, par exemple, une escouade d'assaut est trop sous pression, les SL, reculez vos AP, les escouades de def, voilà, demandez-leur de l'aide un maximum. Et puis voilà, n'hésitez pas à vraiment push. Si vous êtes en escouade d'assaut, l'objectif, c'est, enfin, vous allez beaucoup mourir, mais l'objectif, c'est vraiment de push Shift Z. Et on essaye de sortir les AP, tout ce qui a été posé, pour maintenir le flux et une pression maximale sur la zone. Une fois que c'est sécurisé, bah, vous posez les garnis. J'ai mis une garnie Carrefour 3. Les garnis, je les ai envoyés au SL. Hein. Donc là, les deux garnis, par exemple, ce sera le SL, donc Raven ici et Pirch qui vous voulez poser. Pareil pour les autres points. Si vous regardez, il y a une exception aussi, c'est pour Pierce Farm. C'est l'escouade de Colton qui va poser une garnie. Bon, je te l'ai envoyé, hein, je te l'ai mis dans le channel pour les SL. Voilà. J'avais juste un truc à rajouter pour les MG.
Alors, je vais vous partager mon écran. Normalement, vous me dites si vous voyez correctement mon partage d'écran. Il me faut des MG. Il me faut des MG, c'est vraiment important. Donc, par exemple, pour Trench, il me faut une MG ici qui regarde le bord map. Alors, à vous de vous répartir. Par exemple, ici, ceux qui sont à l'ouest, vous me collez une MG ici ou dans la maison. Mais vous me collez une MG ici qui regarde le bord map. Très important. Ici, il me faut une deuxième MG qui sera du coup un peu isolée de son escouade, mais c'est pas grave. Hein. Tant mieux, j'ai envie de dire. Sur la maison, ici, vous montez, vous tenez le bord map, vous allez voir galoper là-bas. Je sais pas qui va jouer MG. Ça serait peut-être bien d'attribuer à l'avance les pauses. Mais voilà, si vous vous sentez concerné, ayez ça en tête. Donc sur le toit ici, ceux qui sont à l'est, une MG qui va dans la maison, dernier étage, qui regarde tous ceux qui pourraient cross open field. N'hésitez pas vraiment à défendre au maximum la zone pour éviter que les MG justement se fassent sortir si vous faites push. Ça c'est les 3 MG du coup pour Trench. Pour réseau, j'en ai collé une normalement. Alors si je me souviens bien, une qui va être du coup avec les escouades à l'ouest, donc j'imagine que ça sera fin là vu que c'est assaut ouest, tac 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 vers ici. Donc voilà, c'est à lui de. L'objectif c'est de tenir les trenches. Voilà, ici une là, une autre ici qui va tenir tout ce qui pourrait passer dans le champ. Donc voilà, ici. Très important, l'AMG. Alors attendez, je regarde mon strat sketch pour ne pas faire de conneries. Tac, tac, tac. Là, il y en a une troisième, je sais plus où je l'ai. Sur forme de pierre, c'est Soufinet. On a deux. Voilà. Et sur forme de pierre. Voilà. Pardon, soit excuse-moi. Ici, soit là, enfin comme tu veux, hein, tu connais. Sur forme de pierre, si tu veux défendre, t'as deux poses aussi sur le bord de map. Hein. T'as la celle-là et t'en as une autre à droite. Ouais. Ici, la maison à ta droite, là. Non, la maison cassette à droite, là-bas, au bord de map. Droite, ah, droite, hein, oui, vas-y. Oui, alors, oui, justement, sur ferme. Alors, ça, c'est sur ferme de pierre. Bah, justement, je l'ai collé là. Sur ferme de pierre. Là, je te parle pour réseau. Je parlais pour réseau. Voilà. Okay, et okay. Sur ferme de pierre, j'en ai collé une ici. Une ici. Donc, soit sur le toit, soit à l'intérieur. Ici, vous avez une bonne ligne. J'en ai collé une PF. Bon, elle va se prendre de l'artie de temps en temps, etc., mais ça devrait aller. Surtout pour contrôler tout le frontal, pour voir si elle peut sortir le truck, ça serait super. Et j'en ai collé une là, normalement, et une avec les escouades d'assaut, ça sera fine là, j'imagine, qui va être comme ça, et qui va les découper. Honnêtement, vraiment, si vous voyez que la pose MG n'est pas faite, et que vous êtes MG, n'hésitez pas à la prendre parce que c'est vraiment ils vont souffrir, vous allez vous faire un carnage en fait. Il est 21h, voilà. Les gars, bon game à tous. Ça marche. Ouais. Qu'on se mette d'accord juste pour les MG. Mitraillette, ça sert à rien. Il y a toujours un AT, le support vous le laissez libre. Vous pouvez en prendre un maintenant si vous voulez, hein. Mais dès qu'il est posé, il faut qu'il redéploie pour redonner le support à quelqu'un d'autre. Sinon, pour le supply, tant qu'à faire, prenez le supply avec les munitions explosives. Pour la T, de façon à ce qu'il y ait toujours une caisse disponible. J'ai le soutien, j'ai plus ma caisse. Et là, moi j'attends pour rentrer ingénieur, mais il y en a un qui a déjà pris le rôle. Oui, c'est moi. Mais si tu le veux, je peux le laisser, hein, c'est parce que je viens d'arriver. Non, pas de soucis, moi je peux prendre autre chose. Je prends. Vas-y, okay. Prends. Non, lâche-le et. Enfin, on fait l'affaire. Moi, ça me dérange pas. Vas-y. Je vais lâcher. Voilà, j'ai lâché. Allez, la paix est bon. Je vais prendre avec. On va se positionner en frontal. Si on a un AT, c'est le moment de venir parce qu'ils vont peut-être nous amener. Regardez votre carte. Regardez votre carte, ils viennent surtout de l'est, de l'ouest par contre. Ouais, on a du monde à l'ouest, hein, essentiellement. Et j'ai pris les deux caisses pour la T.
On est traité un sur ping. Je vais les poser tout de suite. Boom. Ah bah comme ça c'est fait. Non bah je vais rien poser du tout en fin de compte. Je commence très fort, ouais. Toi aussi. Par contre faut qu'on s'entende un peu là parce que ça parle beaucoup. Ça, on va se fluidifier peut-être. Revenez au nord. Ah bah la paix est mort. Hein. Ouais, Arty. Ouais. Voilà. Ah, puis... la paix est toujours là. Ah oui mais on... La paix est mort là. Non mais on se spawn. Ah oui, c'est normal, on continue d'avoir une devenir. Ah ouais, bah il y a l'artie en fait. Ouais, mais j'ai même pas le temps. ça va pas se calmer donc. Si c'est vraiment trop merdique, prenez la garnie qui est derrière. Ah bah c'est ce que je fais parce que là ça fait deux fois. Après mais c'est logique hein. Enfin, ouais. Donc ils sont plein nord et ils sont sur, sur le bord au niveau des. Le seul endroit où ils peuvent remonter. Sur les. Bon, ça y est, je suis déjà mouru à nouveau. Ça vient nord-ouest. Oui, ah, regardez. Nord de map. Nord-ouest. Non, regardez votre carte. Attention, ça sur nord de map. Sud-ouest. Il y a beaucoup de monde. Non, il y en a un qui m'a traité. Nord-ouest, il était sur le chemin, je l'ai raté. Ah. On avance tranquillement, en position. On n'oublie pas, notre objectif, c'est de remonter à l'endroit où il est redescendu. Mais on a des terrains à l'est et à l'ouest, donc mon avis le moins risqué c'est de prendre la et est. Bon, il n'y a plus de tir d'artillerie là, il a changé de zone. Ah non, il tire encore dessus. Par contre, pour l'anti-tank, je vais poser mes caisses sur la petite maison ruine si ça t'intéresse. Ouais, vas-y. Ouais, je vais me positionner à côté ouest, on va remonter tranquillement. Voilà, j'ai posé mes deux caisses. J'ai posé mes deux caisses sur le. À la maison ruine. Allez, c'est parti, on monte. Ah, sinon, c'est quoi les ordres? On défend nous ou on attaque? Non, on est en attaque. On est attaque. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est parti. Ah, et la pépine. Oh. Ouais, bon, ça y est, une fois de plus. Fond, là c'était du nord-est. Soyez à l'écoute, ils peuvent passer de l'autre côté de la haie, il faut les prendre des deux côtés. Ah, pour l'instant je les prends bien des deux côtés. ça fait 4 fois que je suis mort. Ouais, il faut. C'est là que le moral est bon. Ah ouais, sans problème, t'inquiète. C'est rigolo, mais pas de soucis. J'ai l'habitude. Non, après on a le temps, hein, c'est de partir. Là, l'idéal, ce serait de remonter jusqu'aux maisons, une pâtée de maison qui est devant. Je vais vous mettre un marqueur. Ah putain, bon. Ah oui. C'était pas l'artille, là. Je pense que c'était un tir de char. Peut-être, ouais, c'est possible. Ouais. De l'oreille, justement, ça venait de l'est. Ouais. Ouais, il y a un char au. Ouais. Route principale. Non, même pas. Allez, nous on pousse, on attaque ici les gars, hein. On monte jusque là-haut. Ouais. Les contacts au fond du. Au bout de la route. Ouais. Allez. Oh. Restez pas sur la paix, hein, montez les gars. Ouais, si on reste sur la paix, on va mourir. Ah bah ouais. J'ai touché, mais. Je vais l'avancer au fur et à mesure pour vraiment qu'on réussisse à bouger. Et il y a la. Comment d'ailleurs la O, c'est quoi d'ailleurs? La queen, non c'est pas la Q. C'est option. Ah il y a option qui monte. Oh donc on nous aide. Et lui donc nous on a un Stuart juste à l'ouest de la route. Ok. Et là il est marqué. Bon info, moi je parle quand je vais un peu sur Discord. Allez, nouvelle AP, on continue d'avancer. Oh c'est pas vrai. À gauche de la haie là. Attention, ils sont juste là. C'est devant, il y a un devant nous, là on doit aller. Dommage, ah oui, dommage Tobib. Bien essayé. On a une garnie qui ping en sud-ouest. Il y a un char juste derrière là. Ah, elle est overrun. Marqueur observe, il y a un char les gars. Passe derrière. Oui. Parce que tu pourras pas passer. C'est... you
prêter un ici. Ouais, ils sont en train de le réparer. Sur mon ping, sur mon ping, ça passe. Là-bas, ici, hein. Nord-ouest, il y a du supply qui est tombé. Ah, puis j'ai pas de grenade, j'ai rien. Ok, on continue frontal, on est frontal, les gars. Y'a un truc. Ah, il m'a mis une tête. Oh, putain. Une fois qu'on aura pris les... On aura pris les tranchées, on sera à peu près tranquille. Ça passe de... Y'a pas d'AP. À mon avis, ça va se passer dans le champ de blé qui est juste derrière. Vas-y, Fumi. Attention, ça passe côté droite de la route. J'ai laissé le rôle de soutien, hein. Au cas où. On est bien là, sur le channel, là, c'est bon. Ouais. Ouais, sans problème. T'as 3 gars autour de toi, SL. Ça tire de la gauche, côté ouest. Attention, je balance des grenades là, vers les tranchées. Ils ont fini par me voir. J'aurais tué un paquet dans le buisson. Ouais, dans les tranchées, hein, ils ont un truc. Du côté de la route aussi. Ouais, et laissez pas respirer pour vraiment se positionner. Ah. Faut avoir checker le champ de blé qui est juste. Ah, 20 secondes. Attention, je crois qu'il y a un mec là. Ouais, ah, c'est lui, ouais. Bah oui, il est sur ta carte. Il est sur ta carte, sur ton ping. Ah, ils sont planqués dans la haie en sortant de la paix, là. Ouais, grenade. Ouais. Ah, n'hésitez pas à balancer des grenades si vous en avez. Attention, ça vient sur moi, là. J'avance la paix. T'as le doc qui va tenter ou pas? Ah non, il y a l'ennemi juste la fille, derrière. C'est moi. Merci, doc. Ah, le salaud. Ah, le salaud, il a fait la même chose que moi, il t'a allongé. Merci, doc. Allez. Attention, ça passe là aussi. Ouais, c'est bien. Pourtant, fais gaffe, je lance des grenades. On les harcèle. Vas-y, va. Il va falloir vraiment que le champ de blé qui est au nord des baraques. Là, le marqueur observe. Ah, attention, le long de la route, les gars. On a un char avec nous, là. Il est sur marqueur. Attention, à l'ouest. Attends. Appelez marqueur observe, garni sur marqueur observe. Ah mince, on m'a tiré de la droite. Allez, on protège le char. Ouais, il va revenir. Ah, il l'a eu, c'est bon. Oui. Allez, on se fait la paix, la garni. Attention à droite de la route. Ça va être très très vite. On se fait marrer. Par contre, je déteste cette classe, hein, c'est officiel. Allonge-toi, médic. Allonge-toi. Prendre le... Ah, je vais prendre la Sten, là, parce que ça va pas du tout, là. J'aime pas du tout ce... La STG, là, ça va être mieux. Là. Alors, pour info, si vous avez pas compris, nous, on est squad d'assaut de frontal. Donc, nous, notre objectif, je peux sauter prendre du frontal. Ok, deux traités à gauche du bâtiment, là. Ah, oh, putain, à gauche du bâtiment. J'avais une grenade. Ils sont à gauche du bâtiment, là. Et le char, il est vital, hein, vous le regardez. Ah, faut pas qu'il reste sur place, le char. Faut qu'il bouge. Sinon, ils vont y poser une séchelle. Ouais, pour l'instant, il nous protège. On en a besoin. Là, la pépine. Ouais. Ah, putain, il est revenu dans son bouche, là. Ouais, ils sont planqués dans la haie, là. Ah, t'es en blanc.
Qui? Qui en bas? Oh! Jeune. Ouais, j'ai vu. Jeune. Je reviens. J'ai vu, je m'en occupe. Tu t'habilles en blanc, tu cours au milieu des champs. Ouais. J'essaye de revenir pour le char. Je change. C'est vrai qu'habiller en blanc, c'est pas évident. On a l'assaut frontal, mais... Ouah, c'est ultra chaud. J'ai le mec dans le buisson, là. Ah, super. Ouais. Ah, j'ai pas réussi à voir celui qui était au petit portillon. Ce que je veux, c'est aller derrière ça, là. Ça m'a canardé, là, de côté ouest. Je vais l'appeler, les gars. Il va falloir le protéger, parce qu'il y a du monde. Attention, sur la route, ça passe. Hop, grenade sur la route, attention. L'ancien. Allez, on pousse. Venez avec moi là, il faut qu'on aille les chercher dans le champ de blé. Je sais pas où ils sont. Je l'ai eu. Derrière le tas de bois là, ouais. Allez, vous remontez jusqu'au champ de blé, les gars, dépêchez-vous. Restez pas derrière là. Allez, tournons nos là. Allez, faut qu'on avance. Faites les deux vues. En fait, la paix, il est compromis. Ouais, ça vient de l'est en fait. C'est ultra chaud. Alors, je vous le dis de suite, ça va être une partie où je vais faire 50 morts. Je vous le dis de suite, on est en assaut frontal, c'est la pire squad. Donc, vous étonnez pas s'il y a énormément de morts. Change, je vous préviens. Mais je voulais couper. Utilisez la haie pour vous protéger. Vous regardez au travers, vous tirez au travers, comme eux. Attention, grenade dans le champ, je balance. Attention, à ma droite, c'était juste là. Attention, grenade. Prêtez. Vous allez ici là. Une fois que vous l'avez, c'est gros sur le rappel. C'est bien là. Donc j'ai en face. Ouais. J'arrive derrière le muret là. Je vais avancer la paix là, on y arrive. Sur mon ping, ils sont deux. Je recharge. Ah, tire dans le champ de blé, mais à ras les pâquerettes. Ah, ils viennent. Ah, ils sont, ouais, ils sont au bord du champ de blé, au bout. Ah, puis j'ai plus de grenade. Ah, si j'ai plus au moins les... Moi, j'en ai plus. 6-13, ça va être... Ah, je suis mort. Cette partie va être très épique. J'ai eu l'avant-poste, j'ai eu l'avant. Je vais vous enlever les morts. Ça court sur moi, là. Okay, il y a un sniper, parce que vu les cartouches que j'ai pris... Je vais mettre une satchel. Ok, ça va leur faire du bien. Oh. Attention, Arty. Allez, nous mettre l'artillerie. On est en train de les faire reculer. Ouais. Et si on peut mettre une caisse à la paix, les gars. Mettez-moi une caisse à la paix. Pas ses soutiens. Ah, il a pris. Que cette chatte posée sur moi. Comme un kamikaze. Ouais. Ah, t'as raison, parce qu'il va y avoir du monde là. J'ai une AP là. Ah, je crois que tu l'as détruite. Il y a un truc qui a. Il y a pas ma caisse. Fais gaffe à ta gauche. Moi je l'ai, ma caisse. Oh. Non, prends, oh, non, sur la paix, ton... Ah bah j'ai pas le temps. Allez, la garnie, faut la paix. Bon, on a réussi à choper la tranchée.
Je vous mets des munes ici au passage. Ils sont derrière la haie là. C'est ultra chiant en fait. Ce qu'il faut c'est progressif. On va aller dans les buissons là. Hop. Non, pas du tout. Le calme tout d'un coup, ça fait drôle. Ah non, ça va pas durer. Attention. Attention, elle a tiré ton main. Je vais me mettre là. Ah ouais, je vais d'avancer là, on est en attaque frontale, donc vous pouvez y aller. Prochaine étape, c'est ici. Bien pris. Ouais, ça va pas être le plus facile. Ah, pour être bien, faut qu'on arrive derrière cette maison. Ouais. Ah là, ça passe. Il y a du monde là-bas. J'y fonce derrière la maison. Ouais, sur ma gauche. Frontal, hein, frontal. Je suis dans la maison, messieurs. Super. Ok. Ah bah, voyage, là. Un traité à l'étage. Oh non, il veut pas me filer de garde. Evil, tu peux avancer, j'ai personne au bout du champ. Ok. Ni derrière la haie en face de toi. Ouais, bah fais gaffe, il va y avoir du monde là par contre. Hop, ça me canarde de loin. Oh, ça tirait du nord. Bon. Je lâche le rôle si quelqu'un veut le reprendre. En face de toi, Evil, derrière la haie. Son marqueur. J'ai touché, mais je sais pas si je l'ai tué. C'est pas sur le marqueur observe, c'est là où il y a de l'artillerie. Il y a des mecs derrière vous, hein, c'est repassé derrière vous. Ouais, traité un ici. Je reviens sur la clé. Ça arrive là, ça bouge, ça arrive sur toi, Evil. Ok. Ouais, derrière le muret là, allongé. Je grenade. Bien joué. Encore. Ouais, tu vas avoir du monde, hein. Minimum 2. Evil. Ok, un traité sur moi, c'est dans la maison. Toi, là. Ah, mais ils savent où je suis là, donc ils vont venir me chercher. La rue, le long de la route. Là, j'ai une caisse de soutien. Ça tire de loin. Encore un traité sur moi. Evil, tu peux péter la caisse de qui est sur le bord de la route. Il y en a une au bord de la route, c'est ça? Ouais. T'as un marqueur? John, tu vas avoir du monde. Ouais, bien pris. Dans les tranchées là. J'ai balancé une grenade, mais je suis pas sûr de l'avoir eu. Ah putain, quelque part devant moi. Ah, t'es chier l'artillerie là. Et la recoue, il peut pas aller sur l'artillerie là. Chef, la recoue peut pas aller sur l'artillerie là au lieu de s'occuper d'autre chose là, parce que là. J'ai une bonne position là. Je réussis à redéplacer. Non, j'étais arrivé jusqu'au mur. Ok, prenez pas par le côté droit, hein, vous remontez par la gauche. Encore deux traités sur moi. C'est bien fait que le boom. Vous avez bien raison. Utilisez-les parce que on va partir. Ouais, vu là. Je suis repéré, mon pauvre. Nouvelle ils sont AP, pas contents. On attaque ici, hein, les gars.
Rien de touché. Et le supply, je vais essayer de le marquer. S'il est toujours là. Ok, Potter, il arrive. Ouais. Il est sur mon ping. Ouais, j'y vais. Je vais réussir à faire ça. Ouais, exact, il est là. De toute façon, ils vont pouvoir s'en servir. Ah, on va. Ou pas. Il est sur le ping, le supply. Oui, 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 oui. Le supply, oui. Okay, vu, juste derrière la... Ouais, faites bien le champ, parce que ça craint. Je vois pas. Ah, c'est une petite caisse verte, là. C'est un petit sac vert. L'espèce de ballot, là. Ouais, bien ficelé. Je suis aveugle. Ouais, c'est ça. Ah si, là, non, il est plus par là. Ah, bah je me... Il est plus proche que ça. Je suis mort. En cherchant le truc, je suis mort. J'aurais pas dû bouger. Je voulais faire bien pour les squads. Je me suis fait... Allez, c'est fait, on monte. Vous évitez cette zone, là. La zone qui est ici, parce qu'elle est merdique, ça tire de tous les sens. Ah, c'est détruit. Bien. Hop. Marqueur observé, c'est l'arty, ne passez pas par là. J'ai bien pris. Ouais, ils ont pas de frontal, hein. Je pense qu'ils sont foutus, on va prendre le point. Ok, ça me tire dessus en ouest. Ah, ils ont bougé l'artillerie. Ah, oh, ben. Ils ont monté devant le point. Ouais, ils sont côté ouest, hein. Ouais. Nord-ouest. Nord-ouest. Ouais, ouais. Non, oui. Ah, j'ai tué 12 mecs quand même. Oh la vache. C'est le nombre de fois que je suis mort, mais on peut regarder. Ah, mais bon, je vais prendre le... Hop, hop, hop. Merde. Bon, ça m'a tiré la ouest. J'entends à côté de moi le bruit d'un AP. Juste à ma gauche. L'autre côté de la haie. Est-ce que tu peux avancer l'AP là? Non, avec l'artillerie, ça va être dur. Hein. Ça va être pour toi, juste à gauche. Je vais l'avancer, voilà, mais je vais d'abord voir ce qu'il y a. Ouais, si tu l'avances par contre, mais pas dans la ligne. J'ai balancé une grenade, mais j'ai tenté. De l'artillerie, ça, c'est sympa. Mais le. Il y a un AP juste américain juste à ma gauche, de l'autre côté de la haie. Ah, ok. Je reste un peu le temps que tu me dises, voilà. Ah merde, je suis mort. Ils arrivent sur le champ de blé. Au nord. Ah, j'essaie de savoir où il est, mais qui t'a eu, mais je le vois pas. Oh, il est dans les... Ouais, dans les buissons. Tu y vas doucement, tranquille. Ah, ça arrive de l'ouest. Il va sortir, de toute façon. Ça arrive de l'ouest. Ah, bah oui, il a sorti, il m'a mis une balle. Oh, la forêt. Ça arrive de l'ouest, c'est la merde. Attention, la paix, il faut pas le perdre, la paix. Hein. Ah, on a merde. Perdu la paix. Reparti sur la garnie derrière. Ouais. Ah, il faut pas qu'ils reprennent la zone, hein, sinon ça va être chiant, ils vont reposer des AP, ça va être relou. Ouais, j'ai pris batteuse, si je peux les arroser un peu. Ah, je me prends 40 secondes. Ah, j'en ai un dans le champ, là. Sur ping. Celle-là, elle est gratuite. Allez, on contrôle le champ, là, qui est ouest. Oh, ça m'a tiré de gauche, donc vraiment ouest. Alors vraiment ouest lointain. Je reviens. Ouais, c'est un sniper. Ouais, c'est juste à côté. C'est bon. Il y a du monde sur moi, j'ai posé une satchel. T'as... Oh putain, attends, c'est qui? Ah, je me suis pris l'artif, putain. Evil, t'as 1, 2, 3... T'as 4 mecs autour de toi, là. Ouais. Même pas peur. On a Rombo parmi nous. Mais, what? Ah, mais j'ai un char, là. Allez, sur mon gars, ping, il y a un char. On se positionne. Et c'est pas nous, celui-là. De l'arty parce qu'ils ont compris où on était. Ouais, il arrose bien. On a un Sherman sur ping. Ouais. Mais j'ai rien pour le détruire, moi. Il est juste à côté. Je vais aller lancer des mimi. Du monde sur le mur derrière le. Ouais, mais
problème c'est que l'AT il est hyper loin. Ouais, Charman sur moi là. Ah Pépin, ouais. C'est le char ça. Le ouais, char arrive le char, sur l'AP. Ouais. Ouais c'est le char. Il y a un mec sur moi les gars, il est en train de recharger. Il est sur ma position, oh, exactement dans le buisson. J'essaye de pister le char. Oh là 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 là, j'ai pris direct une balle. Il y en a deux, ils sont en train de passer. Côté ouest, les gars. On a perdu la paix. Ah ouais. Allez, il faut protéger la garnie à fond. Satchel posé. Mais j'ai été vu. Du char. Sur le char, ouais. On n'a pas de squad de défense, il n'y a personne en défense. Ah, le mec qui était juste derrière qui m'a traité. Ah, je vais prendre assaut. Hop. Comme ça, j'aurai la Satchel aussi. Repartez en arrière en G6, les gars. Ouais. C'est en train de cap. La squad de défense, elle est où? On perd la garnie. Bah, on a perdu la garnie au F5. Non, prenez une contre-attaque, ça va être violent. Pour le moment, il n'y a personne sur le point fort, il y a une flare qui a été lancée, les gars. Allez, comme tout à l'heure, même positionnement, on remonte la haie. Par contre, ce qui serait bien, c'est que la reco, au moins une reco, s'occupe de l'artillerie. Quoi. Il a sauté ou pas? Ah, ils sont devant moi, attention. Ouais. Là, je peux pas te répondre, j'étais mort aussi, moi. On a un on a deux blindés sur notre gauche, à nous. Donc, Ça traverse Hawk. Ah, je le vois pas, là. Oh putain, il j'étais près du poteau derrière là-bas. Vous. Oh putain. Oh, je suis mort 12-12. J'ai été traité derrière vous, sur le côté, mais en tout cas de côté ouest sur moi. Balancez une grenade sur moi. J'ai traité, je l'ai traité. Attention, grenade qui est partie. Ouais, bien pris. Ouais, l'artiste c'est infernal. La tape là par là, là c'est bon. Ouais. De la fumigène. C'est à eux, c'est à nous. Oh, l'arty, putain, j'ai pris direct. Mais la reco, elle fait quoi, s'il vous plaît? Ouais, peut-être pas de reco, ça se trouve. Bah, si, on a les deux. Bah franchement, il devrait y aller là. Attention. Reposez-moi une caisse, hein, dès que je vais mettre la paix, on va remettre le garnier. Je suis retourné au champ, c'est bon. Vous pouvez avancer les gars, c'est bon. Ah, il me faut une caisse sur la paix. Ouais, je vais sûrement. Dans le champ de blé. Ça arrive sur nous. Il va falloir reprendre le champ de blé là qui était à gauche là-bas là. Ouais. Ouais. Ils arrivaient du fond là-bas. Oh non, c'est notre artillerie putain. Attention, c'est notre artillerie qui nous tire dessus. Ouais ouais, c'est à nous. Il y a des marqueurs. J'essaye de traverser. De toute façon, je passerai soutien. Oh, j'en ai Il y a un marqueur dans le champ de blé que j'avais mis là. Donc méfiez-vous. N'allez pas sur le champ de blé ouest. Ah bah je te pose la question sur la paix. Ouais. Dommage. Oh. T'es bien tenté. Et j'ai à peine eu le temps de m'allonger. Moi je passe soutien à nouveau. Attention, la paix la garnie overrun. Ah, il y a quelqu'un qui a... Ah, ils sont juste de l'autre côté de la haie. Ah, n'hésitez pas à pinguer par contre. Hein. Ouais, c'est bon. Allez, comme tout à l'heure, t'es on rangé, va. SM. Attention sur la droite, est, nord-est. Je le vois pas. Il vient de nous tirer dessus, je le vois pas.
Il y a l'avantage sur moi. Ok, derrière la haie, Frantan, derrière toi là. Derrière la haie. Ouais. Oh, mais dans mon dos, merde, long de la roue. Je balance une grenade. Je vais rien. Attention, il y a beaucoup de monde frontal. Hein. Sur votre gauche, dans les tranchées. Ah, ouais, j'aurais pas dû y aller. J'aurais pas dû y aller parce qu'il me voyait plus que moi, je le voyais. Dommage. 20-22, j'ai bien revenu. Je suis bien revenu quand même. La pépine. Ouais, ils sont juste de l'autre côté de la haie là. Je comprends pas, c'est que la Reco, eux, ils font bien leur taf. Ils arrivent à détruire les garnis derrière, mais nous, personne va leur tirer ennemi. Ouais, c'est l'en F7 et le ping rouge. Sur l'autre côté. Ouais, bien pris. Ah, sur moi. Fais gaffe, Emile, derrière les. Ouais. Oh, comment il me voit? Non, mais alors? Ah, mais c'est Simon en face de nous. C'est Simon qui nous artille depuis tout à l'heure. Bah oui, il artille. Ouais, attention là. Ouais, ok. Il y a un avion de Reco, ça devrait arriver. Rentrez pas sur le champ au milieu, essayez de lui mettre à droite ou à gauche. Attention à la Reco, ping. Et défendre. Il y a des gars. Grenade. Sur mon ping. C'est à moi. Ah, ouais, tête de pont sur le point, les gars. Tête de pont sur le point, restez là. Ah oui. S'il y a une roquette qui peut passer là. Alors, c'est attiré du nord-ouest. Profitez de mes smokes pour ceux qui veulent. Ouais, j'aurais bien. C'est bon, ils l'ont. Restez sur le front. Ah. J'aime pas la haie comme ça là. Ok, si vous pouvez pousser. Ils ont lâché le frontal pour prendre bord de map en fait. Donc on barre à la droite alors, ouais, ok. Prenez comme tout à l'heure là, vous prenez par la façade ouest et vous montez. Ah, on va prendre le déplacement. C'est pas le même niveau qu'en public hein. Là les mecs, tu passes une tête, ils sont. En fait, t'es sur ping, je crois qu'il y en a un autre. Ah, ok. Il y a pas un dans la baraque là qui nous tire de loin. Ça tire à mon est. Tire de l'arrière. Hop, hop. Ouais, ça tire de la droite. Donc on a repris position. Elle a encore un couché sur route, je crois. Ça passe, deuxième qui est passé là-bas, derrière le mur. Ouais, on a fait à côté de nous. Du monde là, sur ping. Ouais, confirmé sur le ping. Ouais, la paix. Oh, mais c'est pénible leur artillerie là. Ouais, non, en fait... La paix est avancée. Je peux pas tenter ça dans ce match-là. C'est impossible de traverser une route, les mecs, t'es remarqué à 50 km. C'est impossible. Simon, là, il casse les pieds. Là. C'est son boulot. Il y a un char encore sur la route. Hein. Ouais, il y a l'artillerie aussi. C'est bien, on arrive rue de la guerre. Ouais, mais c'est déjà. L'artillerie, là. Je sais pas, mais... C'est un peu saoulant, là. Il y a du monde sur la gauche, là. Après, ça fait partie de la game, hein, et c'est pour ça que les artilleurs peuvent pas être touchés. Ouais, je suis d'accord, mais il faut que la Reco aille justement sur l'artillerie, c'est le minimum de la Reco, quoi. Je veux pas être méchant, mais bon, à un moment donné,
J'ai eu un avant-poste sur moi, allez on avance les gars. Venez vers moi. Attention ping. Allez moi. Ah attention. Moi je bouge pas, allez-y. Hein. Bon attention à votre droite les gars. Voilà, à gauche aussi. Ah merde. Traverse la route, c'est très dangereux. C'était là. Ouais. On est en train de... Il passe de l'autre côté de la route. Putain, on a personne à gauche, c'est terrible. Allez, on continue d'avancer. Allez, vous arrêtez pas, les gars, il faut vraiment avancer, traverser la route, on fout la pression, même si on meurt. Y'a un char là, non? Oh merde! Il était où, Frantan? J'étais là en train d'avancer. Et y'a un mec là juste de là, devant moi en fait, de l'autre côté là, des sacs de sable. On va réussir à le traiter. Préparer la grenade. Tu peux plus la lancer. Il y a notre garni qui. Fini les gars, il va falloir retourner en arrière. Faire détruit. Ouais. Je respawn sur la garni. Je vais essayer retourne de retourner en arrière. Moi, garni, je vais en H6. Ah bah non. On a perdu la garni. Ouais, une caisse les gars. J'ai une caisse, ouais. On va la mettre dans le champ. Parker défend, il est. Tu vas pouvoir poser ta caisse. Tu viens vers toi? Ouais, vas-y, vas-y, pose. Oh, j'ai pris une tête, tu sais pas comment quoi. Le reste, on reste en front. Hein. Moi aussi. On va nettoyer derrière, ils sont passés. Les autres, vous restez devant la garnie, vous faites en sorte qu'ils ne la prennent pas. Okay. Bombardez-moi sur le point. Ça arrive sur moi. Oh. Ça a mis un le Sharpie, il s'est fait descendre là-bas. Du côté des jardins. Allez, restez bien frontal. Hein. Ouais. On a du monde ici, mais ça c'est pour la Charlie. Nous on est frontal et j'aimerais bien qu'on traverse et qu'on passe par là, par mon marqueur attaqué. C'est... Ouais. J'y vais. Ouais, bien pris. Ah, j'ai essayé par là, j'ai eu des problèmes aussi. Ah, de traiter, mais je suis mort. Tiens, toi aussi. Moi pas encore, mais ça va tarder. Côté ouest. Hein. Ah. Sur moi après la maison. Dommage. Ouais. J'aurais dû rester un petit peu plus dans la maison. J'ai voulu avancer. En fait, la maison, elle est là. Et ils sont là, en fait. Ah, il m'a mis une tête directe. Bon, ouais. je vais prendre un ingénieur. Je vais poser des mines parce que là, ça va trop vite. Il y avait une escouade complète. Ah, putain, je l'ai pas eu. J'en ai eu 5. Derrière le char détruit. Ah. Restons cachés. Il y a besoin de quelqu'un avec moi sur la garni qui pine. Attention à l'artillerie et puis la garni. La paix aussi.
Bah, il n'y a plus rien qui ping. Ah, par contre, notre garni derrière est ping. Ouais. Garni qui ping. À l'est. Hop. Les gars, la garni, on va la perdre. Ah, bah, je suis mort alors, je peux pas y aller. Cher toi. Ah, il va falloir reposer une caisse, on a plus rien. Je suis à 60%. Ok, tu vas lâcher ton rôle, quelqu'un d'autre va le reprendre. J'ai arrosé. Revenez en arrière depuis la paix, s'il vous plaît, il faut reprendre le frontal. En fait, la paix, je l'ai mis un peu de côté pour pas qu'on se prenne l'artie, mais il faut vraiment que vous vous repositionnez en frontal à chaque fois. Donc, on fait un déplacement attaque à chaque fois en fait. Oh, je suis derrière le mur. J'ai failli t'en mettre une, dis donc. Comment il a fait? Ils sont dans la haie là. Au niveau ouais, squad. Attends, on est plus en défense qu'en attaque, tu vous rendez compte? C'est pas normal. Il est où? Ok, on a la squad de défense qui est revenue. Non. Hop, ça me vise. Ça, attention sur ping, il devait être dans le fossé. Là. Juste devant nous. Derrière le camion, là, il y a un mec. Sur le ping. Ouais. Allez, vous poussez sur le point depuis mon marqueur. Jeune. Ouais, vu. Sur mon ping. Ouais, c'est sur moi. Voilà, et on pourra juste la caisse et c'est bon. Ouais. Ils sont derrière la maison à droite, là, près de la route. Ils sont dans la baraque devant moi, là. Ouais, exact. Il y en a un derrière. On est en train de cap là-bas, à la rue de la gare. Bien vu, ouais. Ah, je pense que j'ai eu dans la baraque, il faut finir. En fait, on est plus en attaque défensif. Attention, il y en a réelle attaque, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Attention, à l'ouest de mon corps, il y a du monde câble. Il y a un mec qui était là. Allez. Et t'as mis ta caisse? Oh putain! Ouais, il a posé la garde. Bah, je lâche le rôle. Je mets une satchel. Allez, vous remontez, de toute façon, ils ont perdu le point. On revient sur la route. On revient sur la route, ils vont revenir bord de map en fait. J'ai mis une satchel sur le bâtiment derrière. Tu peux, ouais. Evil, lâcher le... De sud, ça fait, ouais. Sud, ça m'a traité. Ne soyez pas timide. On avance. Je détruis. Bah, GG, ça. Ah, il me... J'ai des caisses de mine, là, je les ai détruites. Il y avait une caisse de... Tu veux un soutien, SL? Ouais, il va falloir une caisse sur mon marqueur supply là. Ouais, dans... Après nous on va rester frontal, donc en fait non. Hop. On part toujours en attaque ou... Non, on reste en attaque, on est attaque frontale, on va pousser frontale. D'accord. Bon, c'était pour savoir. Sur ton marqueur, hein, la caisse. Ouais, sur mon marqueur. Le soutien, il est où? Celui-là. C'est qui le soutien? Ouais, c'est moi. Il faut. Ah, c'est... Est-ce que t'as les caisses de mines? Oui. Il me faudrait celle de anti-tank pour poser des mines. Ouais, j'arrive sur toi. Attends, c'est qui ça? Allez, Gobo, il me faut ma caisse. Attends, je viens de voir. Ingénieur, hein. Tu la poses et puis tu vas vers chef des squads. Il a besoin de ça. Ouais, ok. Bah, va le rejoindre. Je m'en débrouille, merci. Ouais, avec plaisir.
J'arrive, et celle. Allez vite, parce qu'il y a du monde en frontal. Toc toc toc. Merci pour la caisse. Ah, c'est bon. Ah, oh, bah ouais, ça c'est. Ouais, voilà. Allez, ça, go go go, la caisse, la caisse, vite vite vite. Hop. J'arrive. Prends à gauche, parce que t'as l'artillerie qui te tire dessus. Prends à gauche du point. Hein. On est en train de... on est à 3 quarts de caper le. Je te suis ou je la pose sur ton marqueur? Allez, la caisse. Hop. Sur toi? Non, bah tu la poses. Oh putain! Ok, je l'ai posé avant de mourir, c'est bon. Allez, posez. Ah merde, j'ai pris une balle. Helping là, garde, il y a du monde devant nous. Voilà. Attention, il y a du monde sur moi. Ouais, j'en ai eu un sur moi. Ça ping plus. Et faites-vous plaisir, il reste 2 secondes, on a gagné. Pour entrer dans le bunker, je pense qu'ils sont là. J'essaye de vite. Ah, ça ping en haut. Derrière là, il y a du monde. Ah bah voilà. Ah bah GG les gars, super, bravo. Bon, ah, c'était pas trop mal. GG messieurs. Ouais, bien joué les gars, c'était bien. Allez, à Jones, a... il mérite le point. C'est le plus bas. On a bien, ah oui, on a bien conservé le, la concentration et la pression. J'avais pas vu vos niveaux les gars. Et bah, et pour un début à tout. Hein. Après, ça fait quelques années que je joue, mais pas souvent en fait. Ah oui. Ouais.